Moi, je m'appelle Christophe Lecomte, j'ai 26 ans et je suis actuellement vendeur magasinier. J'étais déjà en poste en fait ici quand j'ai fait mon bac pro. Donc en fin de bac pro, j'avais demandé à mon ancien chef d'atelier si c'était éventuellement possible de m'essayer au métier de magasinier. Donc pas du tout vendeur, c'est vraiment magasinier, donc dans la gestion de pièces, qui m'a vraiment plu. Donc du coup, j'ai fait tout ça pendant un an. Puis j'en ai eu marre d'être vraiment juste sur le derrière, je voulais être un petit peu devant, au contact de la clientèle. D'où en fait cette formation de CQP vendeur magasinier que j'ai fait au Garac, que j'ai effectué au Garac pendant 14 mois. On va nous former à la fois sur ce qui va être la gestion de pièces, la gestion de commandes de pièces, la gestion de magasins et aussi des divers ateliers de course que même au Garac on arrive à avoir un petit magasin pour pouvoir faire des ateliers pratiques et vraiment s'entraîner sur aussi notre relation clientèle, le vocabulaire à utiliser, comment l'utiliser, dans quelles circonstances, comment découvrir les besoins du client, quelles questions poser, tout ça. Quelque chose en plastique là, qui entoure. Il doit y avoir un petit entourage classique qui entourait la lumière, je pense. Voilà, c'est ça. On a ce métier de magasinier là qui est vraiment en fait, je trouve que ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment sur l'entre-deux, puisqu'on a toujours ce côté technique de la mécanique, mais on a aussi ce côté vente, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est pouvoir allier ces deux-là. Donc il suffit qu'on soit un petit peu entre les deux, plus vendeur, enfin un peu de tchatch, mais aussi cette petite fibre technique. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans ce métier-là. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit pas connu. C'est lui qui m'a commandé les pneus hier. Il y en a combien? Deux. Je pense que pour être un bon vendeur magasinier, quand même, il faut être à l'écoute un petit peu aussi, organisé, parce que sinon on est vite dépassé par la chose. Pour en revenir d'être à l'écoute, pour comprendre vraiment tout ce que les besoins du client, de l'atelier, comme ça on arrive à comprendre, à bien répondre à tout ça. Organisation, pour savoir quand il faut commander, ce qu'il faut commander, dans quelle quantité, tout ça. Et le côté informatique aussi, parce qu'on passe quand même, le jour d'aujourd'hui, on passe quand même pas mal de temps sur des ordinateurs derrière un écran, donc il faut quand même aimer être sur un ordinateur. Être intéressé par la mécanique automobile quand même, parce que comme ça, ça nous permet d'avoir avec nos clients une relation de confiance, qu'il comprend son besoin, il voit que nous, on sait de quoi on parle quand même, donc avoir aussi ce côté, cette fibre mécanique, aimer la mécanique quand même. J'adore mon travail, je suis comblé de mon travail. Ouais.